Alors, de Spilas, depuis des temps immémoriaux, le Yucatan était dominé par deux grandes cités États qui sont Tikal et Calakmul. Un nouveau rival de Spilas cherche à briser l'hégémonie des deux villes, prenez le contrôle de cette jeune cité-État et menez-la vers la suprématie. Dans ce scénario, vous incarnerez les Mayas. Ouais, cool! Cachée dans la vaste jungle du Yucatan, la civilisation maya s'épanouit. D'immenses pyramides de pierre gravées d'illustrations, de dieux et de rois surplombent une végétation luxuriante. Le Yucatan est dominé par deux cités-États rivales, Tikal et Calakmul. Se disputant le contrôle des meilleures routes commerciales de la péninsule, les deux cités se font la guerre depuis toujours. Pour renforcer le commerce du jade et du cacao, Tikal a fondé la ville de Dos Pilas. Désormais, le vieux roi de Tikal envoie son plus jeune fils, Balaj Chan Kawil, y régner, tandis que son aîné régnera sur Tikal. Cependant, Balaj boude son maigre héritage. Le dieu de la guerre plante en lui les graines de la rancœur et de la haine, et Balaj se convainc qu'il ferait un bien meilleur souverain de Tikal que son frère. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de la bagarre. La bagarre, la bagarre. Rejoignit Dos Pilas pour mettre en garde ses citoyens. Les soldats de Balaj Chan Kawi défendent un guet contre l'armée en surnom de Calakmul. Dos Pilas est une petite ville reliée à Tikal, sa cité fondatrice. Dos Pilas forme des guerriers aigles, des lanciers et des archers. Tikal est une immense cité située à l'ouest. À l'est, elle en dispose d'unités variées comme des guerriers aigles, des moines, des tirailleurs et scorpions. Son unité unique de frondeur peut anéantir n'importe quelle unité d'infanterie qui s'attaque à elle. Calakmul est une autre cité colossale située au nord. Comme Tikal, elle peut compter sur une armée éclectique. Elle forme guerriers, aigles, moines, archers, fantassins épais et mangonaux. Son unité unique de guerriers jaguars risque de poser problème au corps à corps. Les éliminer à distance avec vos archers semble être la meilleure solution. Waxaktun est une petite ville alliée de Tikal. Elle s'appuie sur une armée réduite de fantassins épais, de lanciers, de béliers et d'archers pour combattre ses ennemis. Naranjo en rouge est probablement la plus petite ville de la région. Son armée compte des guerriers aigles, archers à plumes, mangonaux et archers. Le dirigeant n'est pas agressif et préfère se concentrer sur la défense. Les pierres maya verts contrarient tout le monde. Ils vagabondent dans la région de Dos Pilas et s'en prennent aux voyageurs sans méfiance. On prétend qu'ils sont payés par Tikal ou Calakmul, voire les deux. Les mayas de Dos Pilas sont limités à une population de 150 et ne peuvent pas construire de forums supplémentaires. Lorsque vous partez en exploration, restez sur vos gardes. Les environs de Dos Pilas fourmillent de bandits, détrousseront tous les voyageurs indésirables qu'ils trouveront. Les mines d'or sont peu nombreuses, mais il existe toujours des moyens d'y s'enrichir. Par exemple, vous pouvez attaquer les camps de pierre, les mettre à sac les ennemis, ou récupérer des reliques, ou commercer. Ok. Ouh, il y a du people. Nous perdons le quai. Repliez-vous vite à Dos Pilas et prévenez ses habitants. Retraite, mute 8. Attends, d'où une voix là? On va se lever ces petits bandits vite fait. On se taille le gros de la cour. Ah bah non, ça c'est trop lancé. Ok. Il y a un marché à plumes là. Mais pourquoi ils vont par là? C'est... Bon, ça, on s'en sort bien, mais il faut vite pas trop traîner à mon avis, avoir vite la visite. Eh bah tiens, vas-y, je te sors. Bien joué. On a une dizaine de troupes, c'est déjà un début. Mais... Les guerriers de Calakmul ont vaincu notre armée. Ils seront bientôt en route pour notre ville.
Aux armes. À toutes, Molones. Ok, donc on va avoir de la visite sous peu, quoi. Il existe 5 petits camps de pillards dans la région. Détruisez-les. Montre-leur qui règne sur le Yucatan. Ouais, je sens la mission chiante, celle-là. C'est obligatoire. Ok, comme ça on va déjà avoir 8 villageois sur la nourriture, ce sera déjà un début. On a un peu d'or ici. Bon, c'est pas mal. Niveau nourriture, on est plutôt... plutôt être bon, je pense. Après, ce qui me fait peur, c'est les camps de bûcherons. Bon, on pourra refaire les murs s'il faut. On continue. Plus de bois. Allez. Donc là, on va essayer de conserver nos unités. On va explorer un petit peu la map. Donc on, si on peut voir des camps de bandits, les exploser pour avoir un petit peu plus d'or, ça serait pas, ne, pas de refus. On a un peu de pierre à côté de chez nous, ça pourrait être utile pour poser un château. Ils ont une bonne, ils ont pas l'air d'être mauvais les archers mayas. Je les ai joués de temps en temps, mais pas en multi. Allez, venez, mes mignons. Ok. Sur votre... Oh, c'est des guerriers aussi, j'ai qui ont compris. Archie, attention. Donc, comme on a vu, c'est les camps de bandits, ça doit ressembler à ça. Ok, on a 4 qui font plus rien, on va tout de suite les mettre aux fermes. Nous avons détruit le premier camp. Parfait, 200 pièces d'or, ça c'est cool. On va se soigner. On a des baies encore là-bas. Par contre, ça m'inquiète un peu d'aller les chercher. Si il y a le Kalakmul qui m'attaque, là, ça va être compliqué. Hein. J'accroître la productivité de mes villageois. On sort tout de suite les guerriers, comme ça, ça va calmer certains. On va peut-être trop partir, hein.
Ils ont l'air bien nombreux en face. Hein. Bon, certains ont bien mangé, mais... Oh putain, ils sont tous rentrés les sacs. Allez, on les fait un peu tour, tourner du week. Bon, ça va, ici c'est bien passé. Ok, bon. De toute façon, pour contrer les guerriers aigles, il me faudra du fantassin de base. C'est toi. Achique, à toutes. Ok, on peut passer à la chute. On va tout de suite le faire. On va pas trop traîner. Je vais voir pour sortir des archers mayas là. Je vais faire l'empennage pour développer, renforcer mes archers. De toute façon, on va avoir besoin de nos archers. Explore un peu avec nos archers avec la portée, vu que c'est une zone portée. Oula, c'est quoi ça? Bonjour. Et ils sont nombreux. Essayez de jouer sur la hauteur aussi avec nos ennemis. Les assauts de Kalakmul ne faiblissent pas. Nous ne tiendrons pas longtemps. Ok, on va la sauter dans la tour. Commencer à extraire un peu de d'or, de pierre surtout, enfin les deux. Il nous faudra un château, il faut essayer de tenir le plus longtemps possible au nord. Ils sont nombreux des cons. Non. Ça reste compliqué.
Mais bon, ça c'est scripté, hein, de ce que je comprends. Bon, j'ai sacrifié mes vies de boîte, tant pis, mais bon. Ah, il sort des béliers, là ça va être un peu plus tendu. J'essaie de couvrir comme je peux, mais ça va être compliqué. Hein. Tout le monde sauf les mineurs. Nous réclamons que Dospila se soumette à Kalakmul la plus puissante. Rejoignez-nous ou mourrez. Nous avons comme l'impression qu'il y a plus d'or en stock qu'il n'y paraît. Désormais, nous voulons 1000 pièces d'or. Il y a un bug dans le scénario. Bon. On n'a pas le choix, il faut détruire Tikal. Vous avez vu l'armée qu'ils ont? Ils ont pas un marché, eux. Ils ont bien explosé nos murs, punaise. J'ai développé mon université, tiens, tout de suite. On n'a plus d'armée, chouette. Par contre, on en parle que les archipiens n'attaquent pas l'autre, mais bon, bref. Ashike, Utska, Ashike, Ashi. Tabish, Molone, Molone. Voilà, là c'est pas mal. C'est pierre, j'espère ici. Tu qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Bon, on va pas chercher à comprendre. Ah oui, j'ai mon guerrier avec d'élite là, lol. Salut Sodan, bienvenue à toi. Comment ça va? C'est la bataille de Dospilas avec les Mayas en 648. J'ai déjà fait celle avec les Perses à Bukhara en 557. Kayashe,
Les lumières, c'est guerrier avec des hicles, les quelques archers, donc c'est pas mal. Peut-être avec un peu de chance, vous aurez trois batailles ce soir que je découperai, je prendrai la rediff, je la téléchargerai et je découperai en chaque partie de chaque bataille en une vidéo. Quoi. Je vais développer tout de suite la charrette à bras. On va améliorer la cadence de l'or et du bois. Si notre économie peut vite partir, ça serait bien quoi. Parce que beaucoup de certains d'entre vous m'ont réclamé des batailles historiques, n'est-ce pas Loubou? Et il y avait, je crois, Sotrako aussi qui m'avait réclamé. Alors maintenant, moi je me dis... Ah oui, la bataille de l'épante, elle est très longue, surtout que la merveille à tenir. Ben, ça sera une des dernières batailles qu'on joue, donc ça, je l'ai fait tout en ordre chronologique. Donc voilà, voilà. On a un peu d'eau, on va aller le chercher. Il faudrait trouver un peu de pierre, quoi. Là, les tours, je vais les péter. Tout simplement parce que, ben... Là, à mon avis, comme Tikal est par là, je pense que je vais plus être attaqué de ce côté-là que de l'autre. Il n'y a pas un trou à gauche de ta porte. Bah j'ai juste de le boucher Sodan. Par contre là, le problème c'est que j'ai plus d'armée. C'est quoi qui m'attaque? C'est un éclaireur aigle. Alors pour contrer les éclaireurs aigle en général, ce qu'il faut c'est de l'homme d'armes. Quoi qu'il y a un peu du monde là d'un coup. Je vais faire balistique. Les maçonneries. Ok, maintenant c'est l'orange qui va venir m'emmerder. Chouette. Là, ce qui est bien avec les archers mayas, c'est qu'ils ont un bonus pour le... Ils ont des bonus pour l'infanterie. Anti-infanterie, pardon. Là, on va gagner 20 pops supplémentaires. Ça devrait aider un poil. J'ai fait un compte bûcheron là. Et il faut que je sorte de l'archer à plus mon masse. Je pense que déjà une dizaine d'archers à plumes, ça fera réfléchir. Et l'avantage que j'ai là, c'est avec les fondeurs. Bon, on va se reculer, on va tenter de masser un peu les archers pour les calmer. Je vais préparer également un monastère, il va nous falloir des prêtres pour nous soigner. Et peut-être qu'il y a des reliques sur cette map. Par contre, ils ont pris cher un peu nos archers. Allez, il bleu aussi. Ouais, ça va être chaud. Maintenant il y a le bleu qui vient emmerder le monde. Ça va être la fête à deux spilas. C'est Maya Party ici. Déjà je vais me concentrer sur le bleu, je pense que je peux vite le repousser. Par contre au fond de là. Donc déjà les fondeurs inclus, on peut vite les éliminer dans le sens où c'est que de l'anti-infanterie mais pas de l'anti-archer. Allez, on continue de masser. Bon, c'est bien. Donc soit tout mis repoussé pour l'instant.
Ayashé. Shastingban. Kogaya. Shastingban. Ashike. Utska. Shastingban. Kabish. Sha. Utska. Shastingban. Sha. Utska. Shastingban. Ayashé. J'ai dû regrouper mes hommes. Ouf, bien joué. Bon. Ok, on va partir sur les flèches d'obsidienne. Ça a augmenté les dégâts de nos tireurs contre les bâtiments. Et je vais pas trop traîner pour aller réparer mon mur. Donc le bleu nous attaque également. D'accord, on prend note. Une bonne douzaine d'archers. Si on réparer un peu le forum, on ne pourra pas le changer malheureusement. Est-ce que je peux avoir les murs fortifiés avec les maillots ou pas? Je peux les avoir apparemment, je crois que je vais les développer. Ok, ticket qui passage impérial, déjà ça sent moyennement bon. J'ai amélioré ça et ça. Et j'ai continué de spammer. Si j'ai déjà une petite vingtaine d'archers à plumes, je me dis que ça devrait être pas mal. Hein. Faire une tour quand même au nord. Alors déjà le sud là c'est pour l'emmerde, pour une petite île, sud faut venir quoi. À toutes. Achia. Tabish. Achia. Achia. Tabish. Shastingban. Uts. Shastingban. Share. Share. Shastingban. Ashike, Tabish, Sha, Shastingban. Share. Ok. On voit que l'armée de Kalakmou, on la voit plus du tout. Ils ont pas un marché sérieusement? Non. Eh ben nope. Ok, 20 archers pour gérer un tirailleur. Ah oui, ça sort aussi du front d'air en masse. Ah carrément, d'accord. Est-ce que je peux développer le bac de pouce? Je l'ai développé. Là ça va être le carton pour nous logiquement, dans le sens où nos archers sont résistants. On a perdu un archer pour franchement c'est tout le nettoyage, très rentable. Je pense que j'essaie de faire un marché vite fait. Et là je vais voir si on peut pas avoir trouver des choses au nord, on sait jamais. Peut-être qu'on trouvera un autre camp de bandits, qui sait, hein, sur un malentendu. Shastingban. Utska.
Shastingban. Sha, Tabish. Là, il faut se dire que sur les pierres mayas, ils sont peut-être nombreux, mais technologiquement, on est avancé par rapport à eux. Ils sont toujours à l'âge de féodal. Le petit village à l'ouest de notre position est actuellement occupé par les pillards. Si nous le libérons, il soutiendra l'effort de guerre. Ok, on va d'un. Est-ce qu'il y a d'autres groupes de pillards? Ça me semble logique. Ouais, il y en a, ok. On les attire. C'est des Gatling ici. Bon, ça va. Là, le château, il a géré la petite attaque de Tikal. Il y en a encore, sérieux? Shastinban. Sha. Utska. Sha. Shastinban. Kokaya. Uts. Shastinban. Kaya. She. Sha. Kokaya. Utska. Sha. Shastinban. Le village a été libéré. Sha. Nous allons désormais pouvoir commercer sur son marché. Ils sont venus. Ok. Bon, au moins, on aura peut-être un moyen de commercer, mais bon, il faudrait qu'on arrive à sécuriser notre position. Je peux passer à la chapelle, je crois que je vais le faire tout de suite. Ah, maintenant, il y a le rouge aussi qui vient s'en mêler, chouette. Non, je suis pas un gros risque là, je sais. Ok, bon, ça va, on a pris un peu cher, mais on a assez remis cette partie là, cette attaque là. Bien joué, on va se reculer dans le château. Je vais rajouter deux villageois. Pratique. Je continue de former quelques moines. Poster mon marché là, tiens. J'essaie de commercer avec ce village. Et je vais essayer d'avoir des gaillets avec le délit, ça va voir son utilité. Et en plus, il coûte plus cher. Avec les âges, les archers, tous les archers mayas coûtent moins cher. Donc là, on va gagner en termes de ressources. Achia, achia, achia. Ah super, il nous verse des ressources le jeu. A toutes. Achia, Kasamash.
Ça y est, on a 20 archers à plume près. Est-ce que à la fin je peux faire des choses? J'ai développé la chimie dès que possible. Il faut rajouter des points d'attaque. Et je vais m'ajouter 10 archers tranquilles. Ça nous fera une petite trentaine pour avoir une bonne puissance de feu. Là, je vais envoyer 2-3 charrettes. On fera de l'or en plus. Allez, dès qu'il y aura... Hop, voilà, brasseur. Après, dès qu'on aura assez d'eau, on fera quelques trades. Il faudrait essayer de détruire l'une des petites villes, genre Narandro ou Uxaktun. Il faut commencer à remettre de l'ordre dans le Yucatan. Hein. Pour les archers, ça c'est con qu'ils appellent un petit hop les maillages d'un point d'attaque. Ça pourrait faire tellement mal, quoi. Mais je pense qu'ils auraient peur que ce soit trop fumé en masse. Bon, on va aller faire un petit tour. On sait que le joueur bleu est ici. Explorer un peu la route. Oh, il y a un paysan bleu isolé. Oh bah, c'est un accident. Je crois qu'il a mangé une bête travers et il est mort celui-là. Donc là, on a le calibre bleu, ok. On va regarder comme ça. Ok, on a tué du people. Ok, bah ça c'est déjà fait. Bon, ça va, on encaisse bien apparemment. Ok, bon, on va repartir parce qu'il y a du monde qui arrive. Donc là, notre château, il continue à bosser. Je vais peut-être renforcer juste un peu ses points de vie. Ouais, bon, là, les petits cas, ils passeront pas avec un château, là c'est fini. J'ai commencé à préparer quelques trades. Il faut qu'on commence à se débarrasser d'un de nos adversaires. Je pense que le bleu, il est prenable. 4 hein. Trébuchés les moines. Ou... Ah oui, on a plus de place, ça c'est vrai. Ça rapporte 32 quand même avec ce village. Qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage de maisons. Allez.
pas accès aux experts du siège, mais c'est pas grave. Je vais quand même faire quelques murs fortifiés. Ashike, Sha, Utska, Shastimban, Tabish, Share, Sha. Ok, on est pas mal. Ouais, ouais, c'est prévu, Sodan. Là, je suis juste en train de préparer une force d'attaque. Je voudrais essayer de me débarrasser d'un adversaire. Bah, j'essaie d'aller faire un tour. J'espère juste que je vais pas le regretter. Bon. Mes trabis sont en cours de formation. J'ai 30 archers à plume d'élite. On a localisé de la pierre, c'est bien. J'espère qu'il y a des reliques sur cette map. Là, je peux même pas m'absenter, je suis attaqué quoi. Vous me dites, je veux bien explorer les gars, c'est pas le souci, mais tant que je me débarrasse pas d'au moins un adversaire, je serais pas tranquille quoi. De toute façon, là, je crois que je vais raser tout le monde. Là. Je me laisserai Tikal pour la fin. Oh, ils sont buggés, c'est bien ça. Bon, ça, ils sont désarchés. Donc on aura certains murs fortifiés parce que bon, comme on a eu des bâtiments donnés. Moi j'ai localisé un autre village de bandits au... par hasard en fait. Allez, faut augmenter. Parfait. Un autre camp a été détruit. Ok, on regagne un peu d'argent. Je pense que je vais monter à 6 trèbles. Et 40 archers. C'est tellement rapide ces unités. Oui. Je vais juste rajouter quand même deux archers par deux fermiers par sécurité. Je vais commencer à préparer peut-être quelques guerriers aigle, ça pourrait être utile pour choper des armes de siège. Il faut aussi que je les développe un peu. J'ai quand même développé l'imprimerie sur les moines. S'ils peuvent soigner de plus loin, ce serait pas non, ce serait pas de refus. Ok, c'est pas mal. Oui, j'ai un guerrier aigle, Sodan. Je l'ai laissé en réserve exprès. Je me dis au moins j'ai quelque chose pour défendre au corps à corps. Alors, ce que je vais faire, je vais détruire cette caserne. Et je vais la reconstruire en plus en bâtiment impérial. Comme ça, elle aura plus de points de vie, elle tankera mieux surtout. Comme j'ai accès à toutes les améliorations. Alors là, on a plus d'or. J'ai repéré de la pierre là-bas. Le code de maïs s'est développé. On va développer encore la fonderie. On a pas mal d'or ici. Ouais, c'est bien, c'est bien. Je vais même mettre une maison, deux autres maisons, ça me permettra d'anticiper sur ma population. Ok, ok. Ah bah là, il y a 40 archers qui vont faire feu. Tout de suite l'Eldorado pour mes guerriers. Bon, ça va. C'est parti. Allons calmer un peu les ardeurs de certains. Je vais m'occuper du bleu d'abord, puis du rouge.
Et après ce sera Tikam. Là on a un guerrier, ok. Je vais développer les écuyers. Ashike, Shastimban. Je crois qu'il y en a un qui va passer un seul quart d'heure. Ah, ils ont une base ici. On va calmer un peu de ce petit lastre. Après, on va soulever cette petite base ici. Pousser au centre. Là, les oranges, ils ont rien compris. Les bleus, ils vont rien comprendre. Je vais réchauffer avec les traits petits. Oh oh, derrière on se fait attaquer, en plus ça c'est moche. Oh oui, bah oui, deux traits bien sûr. Vous refusez de payer le tribut? C'est pour votre insolence que vous allez payer. Justin Bond. On va s'occuper de cette forteresse là. Ok, Uxatan, on les a eu. Bon, le bleu c'est ok. Donc là maintenant on va s'occuper de la base orange là. Voir ce qui nous attend. J'ai repéré un trébuchet il n'y a pas long. Ah bah tiens, encore une armée, bien sûr. Bah tiens. Maintenant on nous sort des trébuchés qui spawnent du don de ses eaux. Ok, bon. On va quand même former quelques guerriers egg en renfort. On va les remettre à leur place eux. Une porte, on va l'exploser. Et ben on va péter ce château. Maintenant, les assauts de Tikal vont arriver d'un petit peu plus loin. Yeah.
Je vais refaire un trade. C'est en train de s'affoler Tikal, ça doit se dire que ça sent pas très bon. Ah oui, 7000 points de vie le château, d'accord. Ashike, à toutes. Ashak. Il est de l'or là, si j'ai mon allié Kalakmul, on va aller voir. Oh putain, je viens de voir un truc là. C'est un peu moyen. Bah oui, 3 honneurs, lol. Les rouges repartent chez eux, ceci dit. Je vais essayer de faire un harcèlement pour les contrer. Ok, deux Spilas, enfin Kalakmul a récupéré ça. Share, Justinban. Maintenant on va explorer un peu. Share. Je vais faire les dernières améliorations pour mon infanterie. Là on a plus de pierre. Tabish. Ashak. Ashike. Ashike. Shastinban. Utska. Share. Tabish. Sha. Kokaya. Shastinban. Utska. Shastinban. Sha. J'explorais au sud pour voir ce qui m'attend. Sha. Shastinban. Sha. Utska. J'ai très bien, je vais rentrer à la base. Keri. Ashike. Shastinban. Il y a un camp de pillards ici. Ouh, a... c'est pas un petit camp, ça. Nous avons repéré un camp de bandits au sud. Je me demande ce qu'ils font ici. Voilà les tours, on va vite les déglinguer. Ouais, ça va vite tomber la tour. Ashike, Kasamash. Donc c'était ça le fameux camp de pierre, un hein, des fameux camp de pierre du sud, d'accord. Oui mais non, on va se montrer tranquillement. Les bandits protégés, une vaste mine d'or. Regardez-moi tout ça. Utska, Shastinban. Utska, Shastinban. On va revenir avec notre armée. Utska. Bon, le côté positif, c'est qu'on peut mieux se défendre maintenant. Bon, là, c'est bien.
En plus, on peut devenir vite premier si on joue bien le coup. Par contre, on va reculer nos... Allez, on va fouiller la map. Encore un camp de bandits. Trois camps ont été détruits. Beau travail. Ah merde, ils sont rentrés, mais il fallait pas. Ah, ils sont rentrés ici, d'accord. Bah, vous savez quoi? On va reboucher ces murs. Ah, je l'ai pas fini le camp. Oh bah merde. Bon, on va y retourner. Je croyais l'avoir fini justement. Alors, petit misplay. Je pense que je pourrais faire un château ici. Hein. Les faire venir là, moi je peux faire un château, je peux en faire un. Bon, c'est pas très sexy avec la différence entre mur classique et mur fortifié. Là on a les donjons avec les mayas, ça va être cool. Et je vais même faire un camp de bûcheron ici, tiens. Je vais faire les meurtrières aussi. Alors, on va les 40 archers au sud là. Le prochain qu'on va taper, c'est le rouge. On va essayer de le trouver. D'après ce que tu me dis, loup, ils sont entre le... Donc je pense qu'il doit être dans cette zone-là, approximativement. Parce que pour moi, le orange, ça doit être une grosse... Je pense que c'est une aussi grosse cité que le violet. On va faire la scie à bras. Développer des trucs si jamais en le je sais plus si il y a des moines, mais je vais vérifier quand même. Ah, il y en a un qui revient. Il revient à la charge. Hein, mais... Même les rouges, ils se joignent à la fête, lol. Shastimban, Utska.
Ok, le gold pan. Où sont mes guerriers? Ils sont là, je les avais pas vus. On va les raser ce trébuchet là. Vite fait, bien fait. Ah oui, je n'ai pas détruit les bâtiments totalement, je comprends mieux. Là les tourelles, il faut les remplacer par des donjons parce qu'il faut du DPS. Hein. Donc ça c'est fait aussi, bien joué. Il y a une fois des vrais donjons. Des tours plus agressives, qui ont plus d'impact. Et la porte là, je vais la remplacer par une porte fortifiée, comme ça, ça nous donnera une meilleure position défensive ici. Apparemment, ils ne considèrent pas ça comme un camp de bandits. J'ai peut-être loupé des bâtiments. Apparemment, non. Ouais, c'est vrai que ça manque de charrettes de commerce. Je vais en faire 7 de plus, j'en aurai 10 comme ça. Ça me fera du 320. Voilà, ceux qui vont embêter le monde ici, bah, il peut venir. Hein. Faire ça aussi. On continue d'explorer le sud. Non, le camp de mineur m'appartient, Sodan. Regarde. Donc j'ai l'impression qu'ils ne considéraient pas ça comme un camp, ce qui est bizarre. Hein. Par contre, c'est con que le violet vient pas m'aider. Sinon, ça serait plus facile, mais bon. Je pense que c'est voulu. Ok, deux splits préparent un nouveau offensive. Je crois que je vais continuer de spammer du guerrier. Et il nous en faudrait peut-être une petite vingtaine aussi. Et deux moines de plus, ça serait pas de refus et d'hérésie. En vrai, avec les manettes, tu fais un combo guerrier archer à plumes d'élite. Y'a pas grand chose qui va te résister. On pousse ici. Ah, y'a peut-être un truc là, attends. Ils ont pas l'air de bouger, donc je pense qu'il y a peut-être un camp là, je pense. Ah,
Sha. Utska. Sha. Utska. Shastimban. Ouais, j'en ai une. Sha. Kayashe. Shastimban. Kokaya. Utska. Kayashe. Sha. Kokaya. Shastimban. Kayashe. Utska. Kokaya. Ah, Tiken lance une grosse attaque. Déjà 4 corps détruits. Kayashe. Shade, Justin Ban. Utska, Shike, Justin Ban. Sha. Bon, je pense qu'il y a un petit con qui traîne encore, mais je sais pas où il. Ça peut être entre le bleu et le rouge, ça pourrait être probable. Hein. On s'approche de la cité de notre allié. Enfin, de notre allié forcé, hein, faut dire ce qu'il y a. Shastimban, Utska, Sha, Shastimban, Sha, Utska, Sha, Utska, Shastimban, Sha, Shastimban. Il y a un chemin, d'accord. Sha, Utska, Shastimban, Sha, Utska, Shastimban, Utska, Shastimban, Sha. On est en territoire de Naranro, d'accord. Au nord-est se trouve la cité de Naranro, alliée de Tikal. En nous en apparant, les portes est de Tikal seront vulnérables à nos attaques. Ouais, donc c'est rapide à bouger ces archers. Je vais reculer mes archers. Et là, avec toute mon armée, je vais y aller. Là, je pense que le rouge, on va passer par lui pour attaquer. Parce que les informations qu'il nous donne sont assez intéressantes. En passant par le côté, on pourrait peut-être rendre les portes vulnérables à l'est. Ça c'est vraiment fort là. Ils ne passeront pas. Attention. Ouf, on a eu chaud. Utska, Shastimban, Sha, Kokaya. Utska, Shastimban, Kayashe. Ashike. Ok. Kayashe, Shastimban, Kokaya, Sha, Shastimban, Sha, Shastimban, Kayashe. Ok, maintenant, Tiktai va sentir un peu plus menacé là. Utska, Kayashe. Ah, ça a produit des mangos, non, punaise. Bon, c'est pas grave, on recule tranquillement. De toute façon, notre économie, elle est assurée. On va commencer à taper les bâtiments intérieurs. Utska.
Je vais commencer à reculer un peu au métro, route voilà. Je vais aller sortir de là. Attention ici, attention. Ils ont du... Évidemment, au moment que t'attaques, il faut que tu tombes dessus, sinon c'est pas drôle. Je vais commencer à me rapprocher ici. Ok, bon. Ok, ça va finir également. Ok, une arme pour abandonner. On va voir si on peut passer par la porte est pour Tikal. On va commencer à penser à attaquer ce qui nous reste ici. Là, il n'y a plus rien. Il reste de l'or ici, j'ai vu. Ah non, là, il n'y en a pas. Balcon de mineur au sud, allez, plein sud, go. Recule. Ok. Je vais pousser au nord et je vais me refaire des renforts de guerriers aigle d'élite. Je pense que le camp de mineur est de quelque part dans le secteur. Hein. Shastimban. Shao.
Utska. Sha. Shastimban. Utska. Shastimban. Allez, Maya, je vous jure. Sha. Utska. Shastimban. Utska. Ashike. Sha. Share. Utska. Sha. Shastimban. Sha. Utska. Shastimban. Sha. Tabish. Shastimban. Ashike. Utska. Sha. Kayashe. Shastimban. Kokaya. Utska. Sha. Ok. Shastimban. Utska. Shastimban. Utska. Oh, oh. Sha. Il y a des villageois orange dans le coin, ça veut dire. Sha. Utska. Shastimban. Tiens, il y en a deux. Kayashe. Utska. Sha. Utska. J'ai vu, pas vu, pas pris. Shastimban. Kokaya. Utska. Shastimban. Sha. Utska. Share. Tabish. Kayashe. Sha. Shastimban. Sha. Shastimban. On va attaquer quelques villageois pour les calmer. Sha. Kokaya. Shastimban. Utska. Sha. En vrai, si on attaque par là, sur le papier, c'est court pour détruire la merveille de Tikal. Hein. Sur le papier. Kayashe. Shastimban. Utska. Kokaya. Shastimban. Sha. Utska. Shastimban. Sha. Utska. Sha. Shastimban. Utska. Sha. Ouais, c'est bon, de toute façon. Tikal, faut que j'y arrête de dire de. Shastimban, Sha. Utska. Sha. Utska. Bah, vous savez quoi, on va attaquer tout de suite. On va essayer de terminer rapidement cette mission. Je voudrais vraiment vous faire une troisième bataille ce soir. Comme ça, j'aurai assez de VOD pour. J'aurai déjà deux VOD pour cette semaine pour les batailles. J'en aurai une d'avance pour la semaine encore d'après. Comme ça, le week-end prochain, on enchaînera, je pense. Là, normalement, j'aurais pu avoir 4-5 batailles historiques de fête si j'avais pas eu de problème hier. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va taper au trèpe toutes les tours. Bon, lui c'est bouclé. Tapez mon cerf là. Leur bâtiment. Ok, c'est bien. Ouh, il y a du bâtiment militaire. Ok, ça va être chaud pour progresser. Oh, le nombre de frondeurs qui sort là, c'est incroyable. On va continuer à pousser. Ok, il y a un château, on l'a vu.
C'est quoi tous ces moines là? Bah oui, 4 moines je te sens. C'est un gros bordel qui est atteint de ici. Ok, on se présente sur le château. Ils ont le choix de deux marches après, effectivement. Ah non, il faut arrêter la bulle là. Bon. On va calmer le jeu ici, on va pousser. Recule, reculez. Pour voir s'il n'y a, s'il y a pas une autre chose qui nous attend, voir un second château, une connerie du genre. Déjà, on va se concentrer sur ce donjon là. Sur leur merveille. Ok, rasez cette merveille, on en finisse avec eux. Vous trouvez totalement. L'objectif, c'est que si on bat Tika, c'est en détruisant la merveille, c'est gagné quoi. Après, ils sont merdés des fois. On va les convertir pour tout ça. C'est quand même bien qu'ils refaitent les merveilles dans cette édition. Le coffre sont remplis d'orthès. Ça suffit, instant. Vous pouvez retourner dans votre petite capitale, Kosro. Évidemment, un bug de script, de voix, de le sinon c'est pas drôle. Alors, putain, ah ouais, c'était une grosse cité. Hein. Ah ouais, si je serais passé par là, ça aurait été encore la merdasse. Et il y avait le camp là au nord que j'avais pas vu. Dommage, mais bon. On s'en est bien sorti, je pense, globalement. En fait, le début est difficile, il faut vite vous préparer à passage des châteaux et à tenir vos positions. Et après, je pense qu'une fois que vous êtes lancé, après, je sais pas comment ils font ceux-là pour combattre Kalakmoon. Hein. S'ils se retournent, s'ils décident de rester loyal à Tikal, ça doit être chaud quand même. Hein. On va voir ce qui se passe maintenant pour l'épilogue. Après des années de conflit, la soif de sang du dieu de la guerre fut étanchée. Balage, ayant trahi son père et son frère, et puis pillé la ville qui lui était chère, était rongé par le remords. Malgré sa victoire, il renonça à régner sur la cité de Tikal et retourna à Dos Pilas, où il passa le restant de ses jours. Par la suite, Tikal fut reconstruite, avant de finalement surpasser sa rivale Kalakmoul. Cependant,
elle ne se remit jamais vraiment de la trahison de l'un de ses fils, et la civilisation maya déclina progressivement.